Les attaques dans la mer d'Oman sont signées par l'Iran, accuse Trump. Donald Trump a affirmé vendredi que les attaques contre deux pétroliers dans la mer d'Oman dans la région du Golfe étaient signées de l'Iran, s'appuyant sur une vidéo publiée par le Pentagone. L'Iran a fait ceci, a déclaré le président américain sur Fox News. On voit le bateau, avec une mine qui n'a pas explosé et c'est signé par l'Iran. L'attaque, qui s'est produite jeudi près du détroit d'Ormuz, n'a pas été revendiquée et l'Iran a démenti en être responsable. Donald Trump a écarté le risque d'une éventuelle longue fermeture du détroit stratégique par Téhéran. Les Iraniens ne vont pas fermer le détroit. Il ne va pas être fermé, il ne va pas être fermé pendant longtemps et ils le savent. Cela leur a été dit dans les termes les plus forts, a poursuivi le président américain. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dès jeudi affirmé lors d'une allocution solennelle que le gouvernement des États-Unis estime que la République islamique d'Iran était responsable des attaques de ce jour en mer d'Oman. Deux pétroliers, norvégiens et japonais, ont été la cible jeudi d'attaques d'origine indéterminée en mer d'Oman, un mois après le sabotage de quatre navires, dont trois pétroliers, au large des Émirats arabes unis. Washington avait alors déjà montré du doigt Téhéran. L'Iran, où se trouvait jeudi le premier ministre japonais Shinzo Abe, a démenti toute implication dans ces différentes attaques.